Hey, hey, bonjour à tous. J'espère que vous avez passé de très belles fêtes de Noël, que vous avez été gâtés, que vous avez profité de votre famille, et que vous avez bien mangé tout ça. Vous avez passé tout simplement un bon réveillon de Noël et un bon Noël. Je vous faisais cette petite vidéo là pour vous faire voir les petites trouvailles que j'ai trouvées ce vendredi dernier chez Noz. Comme je le disais dans une de mes vidéos précédentes, j'ai apporté mon garçon chercher son nouveau portable. Et du coup, j'en ai profité pour aller au Noz à côté de ce magasin-là. Et du coup, j'ai trouvé quelques petites babioles et je tenais à vous les faire découvrir au cas où si ça vous intéressait. Donc, il n'y a pas grand-chose. Le haul ne va pas durer non plus 107 ans. Déjà, avant tout, j'ai trouvé une. Donc, je n'ai pas testé encore parce que ce qui me fait peur, c'est qu'il y a de l'autobronzant dedans. C'est une, comment dire, c'est une crème hydratante teintée pour le visage, mais ils disent avec un auto-bronzant. Donc, je ne sais pas comment ça va réagir. Je vais tester sur peut-être sur la paume de ma main ou dans le creux de mon poignet pour voir ce que ça donne. Mais donc, c'est une petite crème comme ceci, hein, ils disent petite crème hydratante teintée pour le jour. Et donc, c'est de la marque Vita Liberata. 1,99 €. Donc je vais la tester et puis je vous dirai ce que j'en pense. Je vais pas la mettre sur ma figure, on sait jamais. Si je ressemble à une carotte après. Voilà. Donc qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre? J'ai trouvé une petite palette comme ceci. Vous voyez, avec des fards. Donc il y a 6 fards. Alors c'est très dur à ouvrir leur palette. Oups, il y avait un petit tampon comme ceci hein, dedans. Voici les couleurs. Voyez, donc ça part du noir pailleté, il y a plusieurs teintes de gris camailleux, c'est un camailleux pour faire des smokies, hein. Ça doit être une très très belle palette pour faire un maquillage smoky. Donc je la testerai avec vous par la suite. Donc il y a 6 fards, 6 fards, 6 fards qui sont de combien? 1 gramme chacun. Donc, ils vous disent que c'est la teinte 01 pour la couleur de palette. C'est la 01 en black de chez Fashion Makeup. Voilà. Donc, moi, je l'ai payé du coup à 1,50 €. Vous voyez? Donc, j'ai dit, bon, pour faire un petit maquillage tous les jours, c'est très bien. Après, qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé un fard à joues. Alors, c'est de la gamme Larizi, comme ceci. Donc, petite boîte comme ça. Hein. Voilà. Très jolie teinte. Moi, j'aime beaucoup ces teintes. Il y a quand même un bon pan. Hein. Et c'est une Luxe Powder fard à joues. Désert rose. Pour la teinte, c'est ça. Désert rose. Après, ils ne vous mettent pas de couleur, ils vous marquent juste désert rose et ils vous marquent que c'est cruelty free et vegan. Voilà, donc c'est une petite palette fard à joues que j'ai trouvée à 2,99 €. Voilà, la Rizzi. Je ne sais pas ce que ça vaut, je vais tenter à le tester avec vous. Et je l'ai payé 2,99 €. Après, je me suis trouvé un petit vernis à ongles comme ceci. Je l'ai payé 55 centimes et ça vient de chez Lovely Girl Makeup Paris. Je ne connais pas. C'est la teinte 19. C'est un beau marron, on va dire chocolat pailleté. Je testerai aussi à l'occasion. Et puis, donc, le 3, le 1, 2, 3, 4, cinquième produit. C'est un lipstick comme ceci, c'est un glow highlighter donc de la marque MAC au Body. Je connaissais pas, je sais pas ce que ça vaut, j'en sais rien. Et du coup, c'est la teinte rose comme ceci. J'espère que vous voyez bien. Donc, c'est la teinte rose et c'est en stick comme ça. Vous voyez? Alors, voilà ce que ça donne. En illuminateur, je pense que ça doit bien se voir. Et c'est un petit rosé. Et donc je l'ai payé celui-ci
Je reprends mon petit ticket parce que je me suis fait une petite fiche pense-bête. Je l'ai payé 2,99 aussi. Et j'ai été voir sur le site. J'ai bien retrouvé le site, mais par contre, ils disent pas trop où c'est fait. Donc voilà. Si ces produits vous plaisent, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à peut-être aller voir dans le Noz près de chez vous. Moi, là, j'ai eu 5 produits. Oui, 5 produits pour, on va dire, 8,75 €. Donc, ça vaut le coup. Hein. Après, il faut tester, il faut voir ce que ça donne. Hein. Vous voyez, là, je l'ai estompé un petit peu. Le petit highlight, il est pas mal. Hein. Voilà. Donc, je vous ferai un petit make-up avec ces produits-là que je vais faire tout de suite derrière cette vidéo-là. Donc, je vous la posterai après. Je vous souhaite une très très belle journée. On est lundi, premier jour de vacances, donc je profite. C'est promis, je vais vous faire plein de make-up, donc tout de suite après. Et en attendant, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas, si cette petite vidéo vous a plu, à vous abonner, à la liker, à commenter. Hein. Vous pouvez dire ce que vous pensez de ma petite vidéo. Et en attendant, je vous fais des gros bisous. À plus !